pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour moi? Bah, est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Ja, lass je regelt, Jena. De Maria kunt je rekenen. Het is de list gericht worden. Zeg, lacht eens. Het interesseert me niet wat de bedoelingen zijn. Ik wil het niet weten. Nee? Maar ik wil geen troubles verstaan. Maak u geen zorgen. Wij zijn voor de vrede. Wij gaan u volgen. Je suis commencé vraiment avec un premier court-métrage et quelques pubs. Avant d'essayer de faire ce long métrage. Mais au début, ça ne collait pas très bien. Le scénario n'était pas assez bien, je pense. J'ai fait un autre court métrage. Et c'est qu'après le deuxième court métrage que j'ai fait des clips. Je suis commencé à faire des clips. Parce que les clips, c'est bien un format qui est plus long que les pubs. Et pour moi aussi, un petit peu plus intéressant pour développer ton style comme réalisateur, quoi. Dans la pub, c'est une histoire de 30 secondes ou une minute. Et aussi dans les clips, je ne veux pas faire un clip avec des images flash, juste pour que ça passe bien sur MTV. Je voulais toujours raconter une histoire, aussi dans les pubs et les clips. Ouh, ça va votre truc, non pas? Yeah! Fuck you, stop a loser! Vous êtes nu dans la police. Vous avez 10 secondes, vous n'avez pas. Wat een ontzettende leuke bus heb jij. Vind je het een beetje pedaat? Je bent ten eerste normale dat ik tegenkom. Als er een probleem is, moet je het gewoon zeggen. Ja, dat is een probleem, joh. Je staat allemaal vier keer aan mijn kloten! Vanaf nu wil ik dat je de buurt van die buschauffeur blijft. Dit gehoord. Het is een tragicomedie. Qui t'amène dans un monde que pas beaucoup de gens savent. Ça joue vraiment sur des contrastes entre le conservatisme et le progressif. C'est un sujet qui peut être vu comme politique, un peu politique, mais je ne voulais pas que ce soit un film politique du tout. Ce n'est pas une histoire qui est autobiographique, mais c'est une histoire personnelle, parce que ça parle d'un conflit de génération, et que c'est aussi un conflit que j'ai vécu avec mon père. Mais dans ce film, c'est complètement hors proportion. J'aime bien les personnages qui sont des archétypes, quoi, qui sont typiques. Et dans ce film, il y a les deux côtés, quoi. Il y a le père qui se tient à toutes les règles, qui est vraiment conservatif. Et il y a le fils qui cherche la liberté. Le conflit entre les générations, c'est très intéressant parce que dans ce film, il y a deux conflits. Il y a le conflit entre le grand-père et son fils, et entre le fils et le petit-fils. Je voulais vraiment forcer le public d'avoir une expérience émotionnelle avec ce film. Godverdomme, zie je niet dat je bent op mediteren? Le projet, c'est un projet 32 jours tournage et on allait shooter d'abord en Hongrie. Mais puis ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas assez de budget. Puis j'ai dû tout refaire en 26 jours. Ça veut dire que j'ai réécrit le scénario et on est recommencé avec une manière de tourner plus légère et moins... tu vois, on n'avait pas assez de temps pour faire toutes les idées que j'avais en tête. C'est vraiment Caviar qui m'a fait confiance de faire ce film comme ça. Ils ont compris que c'est beaucoup trop cher pour organiser un festival comme ça et de faire ce shoot sur un festival vrai. Et puis j'ai dû convaincre aussi le festival, qui est un peu un festival libre, de nous inviter avec une équipe de cinéma de venir là-bas. Et on a vraiment décidé de nous adapter avec notre équipe cinéma au festival, quoi. C'était parce qu'on était un peu invisible, undercover. On a d'abord construit notre plateau sur ce terrain festival. Et puis après deux semaines, tous les gens, 5000 personnes, sont venus. Et ils ont garé leur voiture et leur tente autour de notre plateau. Jusqu'au moment qu'on ne savait plus
hoe heette het festival en hoe het plateau. Quoi. We gaan de wereld naartoe als we allemaal zo maar een schoestje kunnen doen. We zijn grenzen. Grenzen kunnen verlegd worden. Het is misschien goed dat we even klappen. Begin dan maar al mee uit te leggen wat het hier ontdaad is. Stop ermee! Waarom laat jij jezelf niet gewoon eens even lekker gaan?